Bientôt, il sera construit à Brazzaville un institut sino-congolais de la route de la soie. Pour la matérialisation de ce projet, une délégation universitaire est actuellement en visite dans la capitale congolaise. La délégation de l'Université technique et professionnelle de la construction de Zhejiang Guangxia en Chine, conduite par son président Bu Yehua, se prépare a signé un accord de partenariat avec l'université Denis Sassou Nguesso ce vendredi. Dans les échanges avec le premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makoso, l'accent a été mis sur l'importance de leur projet qui vise à offrir aux jeunes Congolais des opportunités de formation en ingénierie du bois et dans plusieurs autres domaines clés pour le développement du pays. Nous voudrions mettre en place un centre chinois et compétences professionnelles. Nous avons déjà fait don d'une salle de classe dédiée à l'enseignement à distance. À travers ce projet, on pourrait également développer certaines études dans le domaine de l'intelligence artificielle, construction, robots industriels et commerce électronique. Mettre en place un laboratoire de caractérisation du bois proposé en 2018 par le président Denis L'université technique et professionnelle de la construction de Zhejiang Guangxia en Chine offre des programmes de formation dans des domaines tels que le génie civil, l'architecture, la gestion de la construction, le design architectural et d'autres disciplines liées à l'industrie de la construction. En outre, elle peut être impliquée dans des projets de recherche, de développement et de conseil dans le domaine de la construction et de l'ingénierie.